Bonjour à tous, c'est la grande forme. J'ai bien fait d'aller dimanche dernier à Longchamp. Depuis, la victoire, l'enthousiasme d'Alpinista m'a contaminé. Elle aime gagner, puis moi aussi, et vous aussi. Et six événements donnés en 7 jours, 6 sur 7, dont quatre quintés et celui de ce samedi. C'était facile ce samedi, je disais à mes abonnés des pronos du cœur, c'est le plus facile quintet de l'année. Si ça se trouve, je vais vous le donner en 5. Je mettais Étoile Rouge qui vient finir 5e, je donnais en 5 pour mes abonnés et pour vous aussi. Mais Étoile Rouge, mon coup de cœur, s'est soulagé à la faute sur la fin, dommage. Mais en tout cas, on a vu la tête du caissier qui nous a donné quelques cacahuètes. Mais des fois, il vaut mieux gagner des cacahuètes pour passer un bon apéro que rien du tout. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, là, vous avez eu des cacahuètes, donc je vous souhaite un bon apéro. Bon, quintet piège ce dimanche à Auteuil. On va aller sauter au bois de Boulogne. Accrochez vos ceintures, c'est du steeple avec la rivière des tribunes, avec les plus grosses difficultés, avec des chevaux, et je tire la sonnette d'alarme et je remets ma pétition, qui sont surchargés. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 à porter 72 kilos, c'est pour moi 2 kilos de trop. On aurait pu, alors je le rappelle, ma méthode de la pétition, c'est de descendre de 2 kilos l'échelle des poids. C'est-à-dire que si on m'écoutait en haut lieu, si les dirigeants écoutaient Jean-Marc et sa pétition, on courrait ce quintet avec les 1 à 5 qui seraient baissés de 2 kilos après la déclaration des partants pour monter à 70 et non pas à 72. Et on descend tout le monde de 2 kilos. Résultat, le 18 qui est à 62 kilos serait à 60. C'est tout à fait jouable. J'espère qu'un jour je serai entendu, pardon, et que vous serez plus nombreux. Vous êtes, je crois, 1500 à avoir signé ma pétition. Vous êtes plus de 40 000 tous les jours à me suivre. Vous êtes plus de 96 000 à être abonnés. Allez-y, lâchez-vous. Si vous voulez sauver la vie des chevaux, il faut que vous soyez des milliers et des milliers à signer cette pétition pour qu'elle ait du poids. Prenez 30 secondes, ça prend 30 secondes de cliquer sur le lien et de signer la pétition. C'est pour les chevaux, pour les femmes et les hommes qui les montent, parce que plus on les charge, plus on les condamne à mort, plus on les rapproche de la difficulté, de l'obstacle et de la chute. S'il y a une chute grave ce dimanche dans le quintet, vous allez m'entendre causer. Je ne le souhaite pas. On croise les sabots. Bon. Pour moi, il y a un soleil, c'est le 8 Blackfield. C'est mon favori, point barre. Je lui oppose le 4 Canichette, que j'aime bien monter par Revelet, mais 72 kilos. C'est un cheval qui va aller devant. Alors, on va devant, à fond, à fond, à fond, à fond, et puis 72 kilos, au bout d'un moment où la ligne droite va être longue. Mais je compte sur le talent de Revelet pour garder un peu d'essence sur le poteau, surtout qu'on ne peut pas vraiment aller à la pompe en ce moment avec les problèmes d'essence. Donc, Canichette aura-t-elle assez d'essence pour aller au poteau? On ne pourra pas faire le plein à mi-tournant final. Bon, mais normalement, c'est une bonne chance. Et puis, mon fameux jeu de la finale, le 4, appelle le 14, écoute en tête, qui est un cheval que j'aime bien pour son nom, que je mets tout le temps, à bon escient, parce que le cheval est abonné à la 3e place. Donc, je l'ai mis 3e. Je cherche pas la complication. Des fois, les courses, c'est simple. Un cheval qui aime finir 3e, on le met 3e. Et puis, on passe à autre chose. Quatrième, un cheval que je sens bien, parce qu'elle, elle est en bas de tableau. Donc, les chevaux du bas de tableau ont une belle chance. Le 15, Lady en voile avec Madame Paco Meunier qui ne va pas s'endormir dans le parcours. Je pense qu'elle peut confirmer sa dernière course qui m'a plu et qui s'est mise en relief dans mes jumelles. Autant dire que je l'ai repérée. Mais chut, je ne vous l'ai pas dit. Je poursuis, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains et c'est lourd de monter jusqu'en haut, hein. 69, 70, 71, 71,5, 72. 72 kilos, vous vous rendez compte. Donc je vous mets du 72 kilos parce qu'effectivement je ne peux pas bannir de ma sélection tous ces chevaux qui sont écrasés de plomb. Il y a le 3, Ozaville, qui a montré sa pointure quintée en haie, mais c'était un très bon quintet. La qualité est là. Lefèvre, fine cravache sur le dos, j'aime bien. Il n'y a que le poids qui me gêne.
Le 2, Saint-Dubawi, c'est un métronome, il est toujours dans les 5, il va continuer son bonhomme de chemin, mais il a lui aussi 72 kilos. Le jockey, il faut qu'il accroche sa ceinture. Et puis le 1, Avanea, me plaît aussi, ça fait sa rentrée, mais le cheval est prêt. Quinton nous le dit, nous le recommande, mais là aussi, c'est une rentrée. Le cheval y rentre et avec 72 kilos, la fin de course risque d'être laborieuse, comme quoi vous voyez que ce quintet peut être difficile. Et je termine par un cheval qui va être tout heureux, parce que lui, il a un poids plume, il a ce qu'on appelle en anglais le bottom weight, et il est tout content, et avec son poids plume, il va s'envoler. C'est ma trouvaille, hein, c'est le 18 Pinaclodone, que j'ai repéré à la lecture des partants. Parce que c'est un cheval que je connais bien depuis ses débuts, je le suis depuis ses débuts, c'est un cheval qu'on a vu assez régulièrement dans les quintets, donc il a de l'expérience. Et quand j'ai vu le poids, si j'ai bien compté, Pinaclodone a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos. 10 kilos d'avantage sur les autres. Du haut du tableau, 10 kilos. C'est une montagne de plomb. Donc, vous vous souvenez d'une célèbre publicité pour une huile. Il va se sentir léger, 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 léger. Et il va s'envoler. Je vous ai fait la démonstration de la performance du 18 de ce dimanche, j'espère qu'il va me donner raison. Il est en bas, alors lui il est plombé par mes confrères, il est en bas il est dans les moins cités. Je sais que vous aimez depuis le mois de septembre, je vous mets souvent au galop, hein, au galop des chevaux qui sont en bas de tableau, et avec une certaine réussite, hein, avec une certaine réussite, et ben là c'est du bas de tableau avec mon 18. Je suis beaucoup plus chaud que les autres parce que moi, je préférerais, si j'étais cheval, m'appeler Pinaclodone avec 62 kilos plutôt que de m'appeler Avanea avec 72 kilos pour franchir les grosses difficultés de ce dimanche. Et je termine par une énigme du jour. Vous allez pouvoir plancher, c'est deux en une. C'était Holly Doyle, mon idole, qu'il fallait trouver vendredi, qui m'a déçu vendredi, mais bon, c'était pour vous inciter à suivre cette grande cavalière qui m'avait donné raison pour le prix de Diane. Donc voici le cheval mystère. Alors, je le répète, ce ne sont pas des coups sûrs. Les chevaux de mystère, c'est des chevaux qui ont un nom qui m'amuse, qui me font sourire, voire rigoler, parce qu'il y a des noms qui sont souvent marrants, que je vous indique parce que ça me permet de construire une énigme savoureuse, ça vous fait remuer les méninges quelques instants, certains trouvent, d'autres ne trouvent pas. Ben, quand vous ne trouvez pas, vous dites c'est un signe, si je ne le trouve pas, c'est qu'il ne faut pas que je le joue. Hein, c'était le cas vendredi, vous ne trouviez pas, ben, insistez pas, vous ne trouvez pas, insistez pas, ça veut dire que ce n'est pas votre jour de jouer le cheval mystère, il ne faut pas vous mettre martel en tête, et vous allez découvrir ces deux énigmes dans la même réunion. Pour le trouver, il faut vous le prier beaucoup, beaucoup. Et si vous le priez beaucoup, beaucoup, vous allez le trouver. Et un deuxième cheval mystère, parce que là, je vous ai dit, si vous voulez le trouver. Et là, mon deuxième cheval mystère, c'est intéressant parce que c'est dans la même réunion, c'est pour ça que je m'amuse à le faire, c'est exactement la même énigme. Si vous voulez la trouver, vous devez beaucoup, beaucoup la prier pour la trouver. Voilà, et ne soyez pas désespéré parce qu'il faut, quand vous êtes désespéré, il faut vraiment lui demander une aide. Voilà, à vous de découvrir ces deux chevaux mystères, de les jouer, bien sûr, avec modération, mais je pense qu'ils ont une chance raisonnable de vous faire gagner quelques petits sous, voilà, pour faire l'aumône, peut-être, aux pauvres que vous voyez autour de vous, parce que je vais bientôt reprendre mes maraudes pour les sans-abri à Lyon, donc je fais un clin d'œil à ces gens qui ont tout perdu et qui ont besoin de notre aide. Quand vous gagnez gros aux courses, n'oubliez pas la personne que vous croisez au coin de la rue et qui fait la manche. Merci pour elle, merci pour eux.